Regardez qui j'ai retrouvé. Marcel Desailly qui va venir analyser ce tirage au sort. Marcel, un mot sur le tirage au sort de l'équipe de France. J'ai essayé d'apprendre le mot chasse et chance en russe à Didier Deschamps. Il a moyennement apprécié, on va être honnête. Il est encore sous pression, mais je crois que ça a été un très bon tirage au sort dans l'ensemble, hein, puisque je fais un peu partie de l'organisation. Oui, voilà. De la FIFA, donc il y avait un vrai stress autour de cet événement avec Diego Armando Maradona qui était là sur le devant de la scène. À tout moment, il pouvait nous sortir un truc extraordinaire. Et il l'a dit d'ailleurs avec l'Argentine qui était au plus bas, mais qui dans ce groupe pouvait s'en sortir. Et donc pour la France, on est content. Je crois qu'on a tous le sourire, même si on est un peu dans l'inconnu quand on va rencontrer l'Australie lors du premier match. Je voyais Didier qui s'activait à savoir un peu le décalage horaire de l'Australie pour savoir s'il allait avoir un avantage ou pas. C'était particulier, quoi. Donc pour la France, vous trouvez ça plutôt facile à jouer? Il y a un groupe qui vous impressionne particulièrement? Peut-être celui du Portugal, de l'Espagne, du Maroc? Oui, vous avez et de l'Iran. Oui, vous avez eu Hervé là juste avant, qui lui, forcément, il est un peu déçu. Il croit en son équipe, mais il a conscience que c'est un groupe assez compliqué, hein, avec l'Iran qui est un peu une équipe inconnue, mais qui à tout moment peut faire partie, avec la Croatie, avec la Suède, des équipes qui peuvent faire la différence dans cette Coupe du Monde. La petite surprise, j'irais pas dire jusqu'à l'Islande pourrait aussi faire une surprise, mais c'est un groupe très très difficile. Mais pour revenir à la France, je crois que c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand je dis compliqué, vous savez, ces premiers matchs à jouer sont toujours très difficiles. Les entraîneurs vous diront, les joueurs, que ce premier match pour démarrer la compète, surtout quand vous jouez contre une équipe un petit peu inconnue, vous ne savez pas trop, vous ne savez pas où situer votre niveau de performance, vous ne savez pas comment le caler quand vous êtes joueur. Vous vous préparez pour une Coupe du Monde, mais vous ne vous préparez plus pour l'adversaire. Parce que vous n'arrivez pas en face à identifier les différents joueurs que compose l'équipe adverse. Donc c'est un problème quelquefois dans la tête des joueurs, dans l'approche pour le premier match. Et est-ce que ça peut être un problème que certains puissent considérer ce groupe comme peut-être un groupe pas aussi difficile que certains autres? Non, écoutez, l'équipe de France a la prétention de pouvoir aller au bout. Didier va vous dire constamment qu'on n'a pas trop à se soucier. On doit juste prendre les matchs comme il le faut, avec l'intensité qu'il faut pour pouvoir arriver à faire la différence. Peut-être qu'on a un tout petit souci, le fait qu'il y a un petit manque d'expérience, hein, donc talent extraordinaire dans notre collectif. Hein, on va pas, je le dis toujours, qu'ils sont peut-être même plus forts que notre génération si on enlève Zidane dans ce collectif. Mais voilà, c'est pas facile à gérer ce type de match. Écoutez, merci Marcel. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour notre antenne comme belle rencontre? Qu'est-ce qu'on va voir tous ensemble? Alors, bon, déjà, tous les matchs de l'équipe de France, c'est évident. Les matchs entre le Portugal et l'Espagne. Le match entre le Portugal et l'Espagne. On pense aussi à un Brésil-Suisse. Allez, ça le fait aussi, oui, tout à fait. Bah, le Brésil, ça va, leur groupe aussi, hein. Oui, bon, bah eux, ils se soucient pas trop de qui ou comment. Hein. Bon, le Costa Rica, ils auront déjà un petit peu pris la température. Et puis, bon, les Suisses, bon, qui peuvent pas créer la surprise. Vous voyez un peu la composition de l'équipe brésilienne. Ils font partie vraiment des favoris sûrs dès le début avec les Allemands de cette compétition. Voilà, donc Allemagne, France, Brésil comme favoris. Allez, on va le faire. C'est très bien comme ça. Vendu. Merci, Marcel. Merci, Marcel.